on a toujours eu espoir de reprendre. Donc c'est vrai que voilà, il fallait, on attendait une décision rapide pour pas, pour, voilà, pour pas rester comme on l'était dans le flou. Donc voilà, aujourd'hui la décision a été prise, les championnats sont arrêtés, il faut rapidement se projeter sur la suite. Oui, forcément, la décision a été prise un peu tardivement. Le club a longtemps été dans le flou, hein, quitte à savoir s'il fallait mettre les joueurs au chômage technique ou pas. Hein. Ouais, tout à fait. Ben voilà, on avait pris la décision de continuer les entraînements. On avait espoir, après, juste après la Coupe de France, de pouvoir reprendre rapidement le championnat. Voilà, malheureusement, décision n'a pas été celle qu'on attendait. Et voilà, on était dans l'incertitude. Aujourd'hui, une décision a été prise. On l'attendait impatiemment. On l'avait demandé aussi pour que on puisse aussi se projeter rapidement sur la saison suivante. Et puis surtout, voilà. D'un point de vue économique, ça mettait le club en difficulté, le fait de pas savoir. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, on va pouvoir rapidement passer à autre chose. Alors justement, quand sont prévus les entretiens avec les joueurs? Voilà, on va, je pense, rapidement passer à autre chose, recevoir les joueurs rapidement, et discuter, échanger pour pouvoir. Voilà, présenter notre futur projet et celui de la saison prochaine. Donc, dans les semaines à venir, je pense qu'on va recevoir tout le monde. Bon, justement, vous étiez bien parti. Il y a beaucoup de joueurs qui regrettent que la première phase, la phase aller, ne soit pas allée au terme. Ouais, c'est sûr que c'est une situation frustrante quand on est dans notre position avec un match en retard, en étant deuxième, en faisant un bon début de championnat. Je pense que le groupe était compétitif pour se mêler à la lutte pour la montée. Donc c'est vrai que c'est une situation frustrante. On aurait aimé pouvoir au moins terminer cette phase aller-là et pouvoir prétendre voilà, à un objectif qui était le nôtre, c'était de monter en national. Donc c'est pas le cas, c'est frustrant, c'est une situation qui est compliquée aussi à gérer avec une longue interruption, des joueurs qui sont dans la nature aujourd'hui puisque les entraînements ont été arrêtés. Donc c'est une situation qui est pesante pour tout le monde en effet. Et il faut savoir également que 70% des clubs de N2 ne souhaitaient pas reprendre. J'imagine que tu as eu beaucoup d'échos en ce sens. Oui, bah on était en relation avec tous les clubs de National 2. Voilà, c'est vrai qu'au fur et à mesure, on a senti depuis janvier que voilà, les clubs commençaient tout doucement à se retirer, en tout cas de l'ensemble des clubs de National 2. Et voilà, seuls les clubs qui étaient bien placés voulaient continuer pour cette reprise. Donc voilà, aujourd'hui, on comprend aussi la situation et le fait que les clubs ne souhaitent plus reprendre. Bon, tu es en fin de contrat au mois de juin, il me semble. Quid de ton avenir? Oui, je suis en fin de contrat. Des discussions vont être entamées rapidement et très prochainement avec les dirigeants et le président notamment pour voilà, voir un petit peu quel est le projet et ce qu'on peut mettre en place pour la suite. Donc on va bien réfléchir à ce qu'on va faire dans les prochaines semaines. Quel est ton souhait? Est-ce que tu souhaites rester? Oui, bah, moi aujourd'hui je suis bien, je l'ai dit. Après voilà, il y a aussi une réflexion à avoir. Donc on verra, on échangera avec les dirigeants sur le futur projet du club. Donc voilà, pour l'instant c'est encore un peu tôt pour voilà, se projeter vers la saison prochaine, mais même si notre objectif c'est de rapidement voilà, construire un groupe compétitif et préparer la suite, parce qu'il y a aussi une longue interruption, des joueurs qui se sont peu entraînés ces dernières semaines. Donc il y a vraiment, voilà, comme on avait pu le faire la saison dernière, voilà, une préparation qui doit être optimale, qui doit être bien précise pour éviter tous les risques de blessures comme on a pu avoir la saison dernière. Donc il y a vraiment beaucoup de travail et on s'attache déjà à la mettre en place, voilà, notre projet et nos semaines de travail pour la reprise. Bon, tu passes ton DEPF, tu en es où? Oui, tout à fait. Voilà, ça se termine puisqu'il reste 2 jours au mois de mai, 18 et 19 mai. Donc voilà, une bonne formation qui va se terminer d'ici une quinzaine de jours. Donc il y a un examen qui va sanctionner tout ça? Voilà, tout à fait. Voilà, il faudra aller décrocher le fameux sésame pour pouvoir voilà,
accéder au haut niveau, donc voilà. Mais là, une formation qui est enrichissante, très intéressante. Dans ta promotion, il y avait des joueurs connus? Oui, bah, il y avait Chris, l'ex-Lyonnais, Christophe Delmotte, j'en passe, mais il y avait des joueurs avec un certain vécu. Donc c'est une formation qui est enrichissante, un groupe intéressant, avec beaucoup d'échanges, beaucoup de partage. Donc ouais, c'était vraiment une année très enrichissante. Bon, j'imagine que tu es ambitieux comme tout le monde. L'objectif, c'est d'aller voir plus haut, quoi. Ouais, bah, comme je l'ai toujours dit, hein, je me suis jamais caché à l'image de ma carrière de joueur. L'objectif, ce sera voilà, de continuer à progresser, travailler pour prétendre prochainement à retrouver le monde pro ou le haut niveau. Donc voilà, ça c'est mon objectif. Mais au même titre que les joueurs, on continue notre apprentissage, on apprend tous les jours, on apprend de toutes les saisons qu'on passe. Donc voilà, l'objectif c'est de continuer à progresser. Bon, la situation sanitaire est difficile avec les nombreux variants. L'année 2021-2022 devrait être encore impactée. Est-ce qu'on se dit que le milieu pro, hein, national, Ligue 2, Ligue 1, peut offrir un confort de travail et ne pas subir l'arrêt? Est-ce qu'on se pose cette question? Non, je ne suis pas dans cette réflexion-là. C'est vrai qu'on subit un peu cette pandémie. Voilà, on est dans le monde amateur. Donc, voilà, ça va faire deux saisons très très compliquées sur le plan footballistique et sur le plan sportif, mais voilà, après on est tous impactés par cette situation, le football en général. On va se retrouver dans une situation où le football va retrouver des standards sur le plan économique, avec certains clubs aussi qui peuvent être en difficulté. Donc voilà, on est tous touchés par cette situation-là. L'objectif, voilà, c'est de passer à autre chose, d'être prudent et de faire attention. Et puis voilà, on passera après, le foot passera après cette pandémie, quoi qu'il arrive. Psychologiquement, c'est usant quand même, j'imagine. Ouais, c'est sûr que c'est usant et voilà, on a pas d'impact sur les joueurs, sur le plan sportif, c'est compliqué. Donc non, c'est une situation qui est frustrante parce que on a aussi des objectifs, on a des ambitions et malheureusement on nous empêche de faire notre métier aujourd'hui. Donc c'est vrai que il faut rapidement passer à autre chose en espérant que la situation s'arrange et qu'on puisse retrouver du monde dans les stades et puis reprendre du plaisir sur le terrain, ce sera l'objectif.